Bienvenue à cette deuxième conférence. Nous sommes très heureuses d'être aussi nombreux, nombreuses pour cette deuxième rencontre de notre cycle, la Midi du Genre. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec des fonctions très variées et on a envie de vous proposer déjà un petit sondage pour voir un peu quels sont les profils qu'on a dans la salle. Et donc, vous allez pouvoir compléter ça maintenant. Presque tout le monde a. Il reste encore quelques personnes qui peuvent compléter. Voilà, on va vous partager les résultats. Et donc voilà, nous sommes un peu plus d'un tiers de travailleurs et travailleuses de maisons médicales. Il y a aussi pas mal d'autres secteurs de la première ligne qui se retrouvent avec nous, des étudiants, des gens qui remplissent des fonctions politiques. Et puis je vois, il y a aussi un tiers de personnes qui ne se retrouvent pas dans ces catégories-là. Et donc on est très heureux de continuer avec vous. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à proposer cette deuxième rencontre et ce cycle en général ? Les inégalités sociales et les inégalités sociales de santé ne sont pas des accidents en marge des systèmes dans lesquels nous évoluons. Elles sont les manifestations des rapports sociaux qui ont une histoire et se perpétuent à travers l'éducation, les médias et aussi à travers nos pratiques. C'est pourquoi nous avons décidé de proposer une série de moments de sensibilisation en invitant des chercheuses autour de ces questions comme une première étape d'un processus à mener ensemble. Nous avons eu un aperçu grossissant de ces rapports sociaux inégalitaires lors du premier confinement, avec notamment une série de témoignages autour des doubles journées des mères en télétravail. J'ai vu beaucoup de mamans gérant des enfants pendant des réunions, un petit peu moins de papas. Mais celles-ci, si on en a parlé, ne représentaient qu'une partie des femmes. De nombreuses autres, habituellement absentes de nos représentations médiatiques, étaient aussi confrontées à cette crise, dans leur travail de soins, dans leur travail de service, souvent dévalorisé, comme travailleuse en titre service ou caissière, dans leur statut de famille monoparentale ou de sans-papiers. Avec d'autres femmes du réseau Wallon pour la santé des femmes, nous avons entamé une collecte de témoignages qui nous ont à la fois émus, mais ont également contribué à des prises de conscience de l'hétérogénéité de cette classe des femmes. Ces prises de conscience personnelles et collectives sont à propager. Nous avons essayé de témoigner de cette aventure de collecte, de cette aventure de rencontre d'autres femmes avec d'autres vécus de cette crise, dans une série de podcasts dont je fais un petit peu la publicité pour le moment, que vous pouvez retrouver sur Radio 27 et que vous pourrez retrouver sur le site de la Fédération également. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Leroy. Elle est chercheuse au Centre Tricontinental et nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Elle va notamment aborder avec nous le travail de soins, qu'il soit salarié ou non, et qui est traditionnellement massivement dévolu aux femmes. Avec ses connaissances plus macro, elle nous invitera également à réfléchir aux autres rapports de domination qui s'articulent à celui du genre, en regardant par exemple les différences dans les vécus de la crise par les personnes avec lesquelles nous travaillons et les biais qui ici encore s'immiscent. Alors, nous espérons que les constats et questions que nous allons partager aujourd'hui soutiendront des cheminements collectifs, des cheminements communautaires, à la manière des groupes de conscience des féministes de la deuxième vague, qui permettent de saisir ces questions comme des questions non pas à régler de manière personnelle, mais comme des questions politiques auxquelles s'affronter collectivement. Alors, sur le plan un petit peu plus technique, comment allons-nous travailler aujourd'hui ? Alors, vous voyez dans l'onglet le bandeau en bas de votre écran qui a la possibilité d'interagir de plusieurs manières.
Une des manières est de communiquer via l'onglet conversation. Alors, ce que vous pouvez faire entre vous, pour tout ce qui concerne le temps d'échange qu'on aura à l'issue de la présentation avec Aurélie aujourd'hui, nous vous invitons à utiliser l'onglet questions-réponses. Donc, quand au cours de l'intervention, vous avez une question qui vous vient, on vous demande de l'inscrire dans cet onglet et on repartira de là. Alors, n'hésitez pas à utiliser quand même hein, l'outil conversation. C'est ma collègue Caroline Ouattillon qui fait la modération de cet espace et qui n'hésitera pas à nous renvoyer des questions éventuellement qui viendraient en cours de présentation. Voilà, je crois que j'ai fait l'ensemble des éléments un peu plus techniques. Et donc, je vais céder la parole à Aurélie qui va se présenter un peu son propos. Merci. Voilà, donc d'abord, je vérifie que tout le monde m'entend bien. C'est le cas? Vous m'entendez? Oui? OK. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Aurélie Leroy. Comme vous le voyez, je suis également en télétravail. Voilà, vous avez un petit arrière-fond qui n'était pas prévu, mais qui me permet à la fois de me présenter dans le sens où j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie aussi privée, donc avec des enfants, qui me permettra peut-être un petit peu aussi d'ancrer ça dans les différents aspects finalement que le confinement peut prendre. Mais donc tout d'abord, je suis à la différence peut-être de Valérie Pillette qui est intervenue il y a quelques semaines. Moi, je suis issue de la société civile. Je travaille dans le champ de la solidarité internationale dans une organisation non gouvernementale qui s'appelle le CETRI, donc le Centre Tricontinental. Et donc ma compréhension du genre, de son utilité, elle a émergé un peu dans ce cadre, donc c'est un petit peu différent depuis les contextes des femmes du Sud, donc d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Et c'est intéressant parce qu'à partir de ce point de vue, on voit que ces femmes du Sud, elles en ont fait un outil d'analyse, un outil d'analyse, de réflexion pour à la fois décrypter et décoder leur quotidien, et aussi à la fois un outil de transformation plus politique pour essayer de faire évoluer leur contexte, leur quotidien, vers des relations plus égalitaires, plus favorables. Alors, les mouvements de femmes du Sud, ça pourrait vous paraître assez lointain, mais je tiens quand même évidemment à cet ancrage parce que finalement, la proximité avec ces réalités de femmes du Sud, ça permet de prendre conscience que les conditions d'existence, les réalités spécifiques, les préoccupations de ces femmes ne sont pas les mêmes, alors selon les contextes, entre Nord et Sud, c'est évident, mais au sein d'un même contexte. Et ça, cette dimension, elle va être très présente dans cette intervention. Dans le sens où qu'il faut tenir compte justement de cette variété de conditions de femmes, de ces différents groupes de femmes, et que l'émancipation finalement de certaines femmes ne peut pas se faire sur les épaules au prix de la non-émancipation d'autres femmes. Donc ça, c'est un petit peu le point de vue à partir duquel je vais parler. Donc, il n'est pas je tiens quand même à le préciser, qui n'est pas celui d'une académique universitaire dont les études de genre seraient le propos depuis 20 ans. Non, moi, c'est plus un ancrage de la société civile. Alors, dans ce cadre, je vais, dans le cadre de cette intervention, parler de deux choses essentiellement. Donc, le premier enjeu que vous voyez sur cette slide sera consacré à la crise de la reproduction sociale que la pandémie a révélée de façon assez évidente. Et la deuxième problématique sera consacrée au fait que toutes les femmes n'ont pas vécu la crise de la même manière, dans les mêmes conditions. Et donc, on croisera la dimension du genre avec d'autres rapports de domination. Pardon Aurélie, je me permets de t'interrompre parce que je ne suis pas certaine que tu aies commencé ton partage d'écran. Donc, il faut voir partager. Oui. En effet. Voilà. Désolée. Merci, pas de souci. Donc, là maintenant, c'est bon ? Voilà, c'est bon, c'est parfait, merci. C'est bon ? OK, alors, par contre, moi, je n'arrive pas à descendre sur ma slide.
Nicolas, est-ce que tu peux me faire descendre sur la slide 3? On essaye peut-être avec le curseur. Non, malheureusement, je suis calée sur, sur la 2. Donc, par contre, on voit que ça descend. Vous êtes, du moment que vous voyez la slide, la pandémie comme révélateur de la crise de la reproduction sociale. Oui. Ok, c'est parfait. Alors, c'est très bien. Bon, désolé pour ces petits aspects techniques. Donc, la crise du coronavirus, hein, donc, on le sait, elle a mis au centre du débat une question qui, jusqu'à présent, était peut-être plus dans le champ du domaine féministe ou, en tout cas, l'objet de question par rapport à des spécialistes du genre, à savoir la place centrale de l'économie dite de soins ou du care, dans lesquelles les femmes jouent un rôle crucial. Alors que ce soit de façon rémunérée dans la sphère professionnelle, comme soignante, ou de façon non rémunérée à domicile. Alors comme on va pas mal parler de la reproduction sociale, je propose une petite définition, de nouveau qui n'est pas une définition trop théorique, qui a été formulée par Titi Bhattacharya, qui est une académique indienne, mais aussi une militante féministe, et qui définit simplement la reproduction sociale comme l'ensemble des activités, comme l'ensemble des institutions qui sont nécessaires pour produire la vie, pour la maintenir et pour garantir la succession des générations. C'est ce qu'elle appelle les activités du life-making ou les activités de réalisation de la vie. Alors, dans cette définition, vous voyez qu'il y a deux dimensions. Il y a à la fois la notion de travail, de reproduction sociale, d'activité, et la notion d'institution. Alors, dans la notion de travail, ben, c'est peut-être, cela vient peut-être plus spontanément à l'esprit, ben, ce sont toutes les activités qui permettent la reproduction et la succession des générations, donc le fait de faire naître, de maintenir en vie, de nourrir, de cuisiner, de laver, toutes ces choses-là qui sont nécessaires, et dans les institutions de la reproduction sociale, qui assure la réalisation de la vie, on trouve bah, tous les services sociaux de base, comme l'éducation, la santé et les institutions qui les accompagnent, donc les hôpitaux, les écoles. Alors, déjà, à partir de là, on se rend compte qu'il y a énormément de gouvernements de par le monde, que ce soit dans nos pays occidentaux ou aux quatre coins de la planète, qui ont rechigné à assumer un peu ce rôle de la reproduction sociale, que ce soit par manque de volonté politique ou par manque de moyens, tout simplement, du fait que certaines politiques leur ont été imposées. Et dès lors, en l'absence de ces services sociaux de base de qualité, les gouvernements de ces différents pays se sont quand même appuyés fortement sur un travail de soins invisible et bon marché qui est essentiellement fourni par les femmes. Alors, cette définition de la reproduction sociale, elle doit aussi s'accompagner du fait que quand on parle de reproduction sociale, on peut le comprendre aussi comme un cadre de pensée, comme des lunettes à travers lesquelles on verrait le monde. Et dans ce cadre, la priorité, elle est donnée aux vivants, elle est donnée aux êtres humains, à l'inverse de finalement de la logique du marché, de ce que l'on connaît et qui est dominant aujourd'hui dans cette recherche du profit qui est quand même fortement présente. Mais ça, nous y reviendrons. Alors, concernant les enseignements de la pandémie en matière de reproduction sociale, il y a pas mal de choses à en dire. Alors, la chose qui saute aux yeux, mais au-delà du simple fait que nos sociétés ont quand même fortement changé et très rapidement, avec un arrêt de l'économie non essentielle, avec des moyens qui ont été dégagés, là où je voudrais davantage insister, c'est qu'il y a il y a des choses, il y a des métiers, il y a des activités où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'en passer. Il y a vraiment ce travail de vie qui apparaît comme indispensable à la dynamique de toutes les sociétés. Et c'est ce que la crise du Covid-19 a mis en évidence, mais ce qu'elle a mis aussi en évidence, c'est que finalement, il n'existe aucun lien mécanique évident qui existerait entre l'utilité sociale d'une profession et son niveau de rémunération, son prestige, son capital social, sa reconnaissance.
Et la preuve, évidemment, de l'absence de ce lien entre utilité sociale et prestige d'une profession, il a été très clair au début du confinement, en mars dernier, lorsqu'il y a cette liste des services essentiels et cruciaux qui avait été dressée et sur laquelle on trouvait pas tous ces métiers autrefois prestigieux et qu'ils demeurent aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas des pilotes, des notaires, des professeurs d'université, des joueurs de foot, n'apparaissaient pas comme des métiers essentiels à ce moment-là. Mais par contre, on a trouvé une majorité de professions qui, d'ordinaire, étaient sous-valorisées, qui étaient désinvesties, mais qui participaient durablement à des fonctions essentielles au maintien de la vie et à cette dynamique des sociétés. Alors, dans la lutte contre le Covid, ces travailleurs et ces travailleuses d'ordinaire invisibles, ils sont sortis de l'ombre. Tout d'un coup, ils sont devenus terriblement essentiels. Ils ont été cette fois-ci survalorisés, voire héroïsés, comme on le voit sur la photo, hein, avec les souvenirs des applaudissements au balcon. D'ailleurs, cette photo, je l'ai mis un petit peu par ironie parce qu'il n'y a pas de saut combat et on voit que l'écriture inclusive, elle serait quand même utile parce que quand on met bravo les soignants, ça pique quand même un petit peu au regard et à la lecture. Mais donc, voilà, il y a quand même eu cette survalorisation de ces professions qui se sont retrouvées en première ligne. Mais alors, se retrouver en première ligne, il faut quand même aussi un tout petit peu réfléchir à ce que ça signifiait. Ça a aussi voulu dire matériellement se mettre en danger, être exposé au risque sans possibilité de s'y soustraire du fait de sa fonction, du fait de son métier, et ça en particulier au début du confinement, lorsque le matériel de protection manquait terriblement. Et donc il y a eu cette fracture entre ces métiers essentiels pour la survie de nos sociétés, donc qui avaient une vacuité, une réelle utilité sociale, mais qui sont sous-valorisés d'ordinaire. Ce sont des professions qui sont trouvées en première ligne, parfois aussi à l'arrière-plan, et qui, avant la crise, participaient globalement des perdants de l'économie mondiale. Et de l'autre côté de la ligne, on a les métiers non essentiels qui ont une moindre utilité sociale, mais qui ont davantage de prestige, qui sont souvent des rôles de pouvoir, qui, du fait d'avoir pu télétravailler, ont pu se protéger du virus, et qui, globalement, avant crise, participaient des vainqueurs de l'économie mondialisée. Donc, lié à ça, c'est aussi un enseignement ou peut-être un sérieux coup de rappel, c'est que cette crise, cette pandémie a remis en évidence une contradiction profonde du capitalisme, à savoir que les métiers essentiels, que ceux qui participent à la production de vie et qui sont indispensables pour faire tourner le monde et l'économie, ils sont dévalorisés. Ce sont des bas salaires, ce sont des sous-conditions de travail, alors que, je le répète, ils sont essentiels à la dynamique des sociétés et ils sont essentiels à cette économie. Alors, pourquoi finalement autant désinvestir et pourquoi autant dénigrer un peu ces fonctions, ce travail? Là, c'est tout un peu le cynisme un peu du système économique dans lequel on se trouve. C'est que dans le capitalisme, les inégalités de genre, les inégalités de classe, les inégalités de race, elles sont fonctionnelles à ce système-là. C'est ce qu'on appelle la fonctionnalité des inégalités. Et donc, il y a eu cette volonté d'instrumentaliser ces inégalités, de les croiser, de les optimiser, justement pour contribuer à l'essor de ce système. Et donc, de développer des marges de profit les plus larges possibles. Mais donc, c'est évidemment, c'est une sérieuse piqûre de rappel, ce n'est pas quelque chose qui est neuf. Hein. Je veux dire, le 8 mars, lors des grèves des femmes, les femmes disent cela, elles disent si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête, et elles sont toutes là pour rappeler justement cette contradiction profonde. Alors, toujours sur les enseignements de cet épisode que l'on est toujours en train de traverser, c'est que cette crise était aussi l'occasion de parler d'une autre fracture, de se repencher sur ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, division sexuelle du travail entre un travail productif, donc un travail rémunéré, marchand, qu'on dit créateur de plus-value,
mais qui est à dominante généralement masculine, et un travail reproductif à dominante féminine. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette répartition entre métiers essentiels et non essentiels, elle coïncide parfaitement, enfin parfaitement, on s'entend, avec la répartition sexuée des rôles traditionnels. Ça veut dire que les hommes ont la main sur des métiers à forte valeur sociale ajoutée, tandis que les femmes sont sur le front. Les femmes sont en première ligne de la crise sur le terrain et à la maison. Et donc, on va un petit peu analyser ces deux sphères, la sphère professionnelle et la sphère privée. Donc, dans la sphère professionnelle et dans les métiers du care, on voit que globalement, il y a une concentration de femmes dans ces certains secteurs d'activité, notamment dans les métiers du care. On voit qu'elles représentent 80% du personnel de soins de santé. Donc je le rappelle, mais je n'ai pas besoin de le dire, vu que vous êtes les premières concernées, c'est un secteur qui se caractérise quand même encore souvent par des horaires difficiles, il y a du travail de nuit, en soirée, le week-end, et les conditions de travail sont éprouvantes. Mais au-delà des métiers du soin de première ligne, je veux aussi englober tous ces métiers essentiels de contact qui se situent là, on l'a dit, en arrière-plan, qui sont souvent invisibilisés. On peut penser aux caissières, aux travailleuses du nettoyage, aux puéricultrices, aux livreuses, qui sont là aussi majoritairement féminines. Alors, la division sexuelle du travail, elle n'a pas été sans conséquence en matière de contamination. Là, il y a une statistique quand même qui était intéressante, qui avait été fournie par Cienzano en avril 2020, mais elle a été réactualisée par la suite. Qui dit que 61,9% des cas confirmés étaient des femmes pour 38,1% d'hommes. Alors que les décès touchent globalement plus les hommes que les femmes, parce que je l'ai appris en préparant cette intervention, apparemment les femmes sont mieux armées génétiquement pour faire face aux maladies infectieuses. Mais donc, la question de pourquoi finalement les femmes seraient plus contaminées, surtout en début de la crise, en tout cas, une hypothèse très sérieuse à envisager et qui semble se confirmer, c'est qu'elles constituent la majorité des travailleuses de la santé et d'autres groupes comme les prestataires de soins ou les métiers de contact. Et donc, il y a, semble-t-il, un lien assez évident entre ces chiffres de contamination et la division sexuelle du travail. Donc cette crise a mis en évidence, un, que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes métiers, ça, je veux dire, sans doute que ça apparaissait de manière relativement claire, et deux, que cette ségrégation sexuée des métiers s'inscrit dans un rapport de pouvoir. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie des métiers, une hiérarchie du prestige social, une hiérarchie des rémunérations et de la reconnaissance, mais qui ne colle pas, qui n'a rien à voir avec la hiérarchie de l'utilité sociale. Alors, il y a deux tableaux que je souhaitais vous montrer. D'une part, un tableau sur ce qu'on pourrait appeler la ségrégation horizontale, donc sur le fait que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes métiers. Et donc là, le tableau montre les secteurs qui sont classés en fonction du taux de présence des femmes. Vous voyez dans la colonne de gauche, il y a tout, chaque fois écrit des degrés de féminisation qui correspondent en fait à la proportion de femmes par rapport à l'emploi global. Donc quand vous avez un degré 8, par exemple, ici j'ai pris les derniers degrés, ça veut dire qu'il y a entre 70 à 80% de femmes dans ce secteur. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que les femmes sont clairement majoritaires dans toute une série de secteurs, dans l'enseignement par exemple. Donc l'avant-dernière colonne correspond au pourcentage des femmes et la dernière au pourcentage d'hommes. Donc vous voyez qu'il y a 69,3% de femmes dans l'enseignement, 30,7% d'hommes. Dans les activités médico-sociales, on a 84,5% de femmes. Et le pourcentage augmente encore lorsqu'on regarde le personnel de ménage où on trouve plus de 90% de femmes. Donc ça, c'est en termes de ségrégation horizontale. Maintenant, en termes de ségrégation verticale, là, on voit que les femmes sont... qu'est-ce que ça va nous montrer? C'est que les femmes sont globalement surreprésentées dans les fonctions inférieures et les hommes dans les fonctions supérieures. De nouveau, quand on regarde dans le secteur de la santé humaine et de l'action sociale, la proportion de femmes, là, est de 78,4%.
Mais par contre, on voit, donc c'est dans la partie inférieure du tableau, mais par contre, on voit que sur cette même ligne, parmi les responsables, elles ne sont que 58%, et que donc ça signifie qu'il y a un déficit de 20 femmes pour 100 responsables. Et donc, ce tableau illustre quelque part le phénomène qu'on appelle le plafond de verre. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que dans une structure hiérarchique, comme on en connaît sans doute toutes et toutes beaucoup, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, dans ce cas-ci, les femmes. Alors, il y a certains mouvements de femmes, notamment dans le cadre du féminisme libéral, comme on l'appelle, il y a eu cette volonté d'insuffler le fait de dire aux femmes « il faut oser réussir, il faut oser briser le plafond de verre, prenez en charge quelque part votre destinée et foncez ». Alors, heureusement, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi quand même des politiques publiques qui ont été menées, et donc, en termes de parité, de participation des femmes, dans différents secteurs, on voit qu'il y a eu quand même quelques résultats intéressants, qu'il y a eu des avancées, je veux dire, très globalement au niveau de la société, si vous voyez, il y a maintenant une parité sur les listes électorales, il y a des quotas qui sont demandés dans les conseils d'administration, il y a des accès à des postes très prestigieux, pensez à notre ancienne première ministre, Sophie Wilmès. Donc il y a une visibilisation quand même croissante, et une participation croissante des femmes à des postes prestigieux. Mais, et c'est là qu'il faut quand même mettre un mais par rapport à ce combat, qu'on pourrait qualifier de combat pour les sommets, c'est que, bien sûr, c'est important. Je crois que c'est nécessaire aussi d'avoir, de permettre un peu d'ouvrir le champ des possibles pour que les générations futures, les générations de nos enfants, des filles, des petites filles, puissent aussi se projeter dans un avenir où ces choix leur soient rendus possibles. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est quand même chose importante, c'est que cette fameuse théorie du ruissellement, ce qu'on appelle le trickle-down theory, ça ne fonctionne pas. L'émancipation des femmes qui commencerait par le haut, qui ruisselerait, qui descendrait, qui percolerait aux étages inférieurs pour quelque part permettre de... Allez, que cela profite au plus grand nombre, on s'est rendu compte que non, c'est pas moi qui le dis, c'est des nombreuses études qui ont été faites dans ce domaine-là. Et donc oui, c'est vrai que certaines femmes arrivent à se hisser, qu'elles arrivent à briser le plafond de verre, mais il y en a beaucoup, beaucoup de femmes qui restent malgré tout collées au plancher, comme on dit, le plancher collant, comme il est appelé. Donc ce sont tous ces petits métiers aux mauvaises conditions de travail. Et donc il y a vraiment cette opposition et l'illustration là, qui apparaît, montre bien que pendant que justement des femmes arrivent à briser ce plafond de verre, un grand nombre d'autres femmes restent scotchées justement à ce plancher collant, notamment en prenant soin des familles de ces femmes qui ont pu s'émanciper grâce à l'emploi. Voilà, alors, on peut maintenant se poser de l'effet, de l'impact que la féminisation a de ces différents secteurs, notamment dans les métiers du care. Et donc, c'est quelque chose qui est, en tout cas, je pense, discuté, de se dire, lorsqu'un secteur se féminise, est-ce qu'il s'accompagne globalement d'une certaine dévalorisation qui laisserait à penser donc, que ces jobs ont moins de valeur que ceux qui seraient plus masculins. Pourquoi certains métiers féminins, en tout cas dans le domaine du care, semblent sous-valorisés ? En tout cas, dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de métiers, ceux-ci sont perçus finalement comme féminins du fait que les compétences qui sont mobilisées sont considérées comme naturelles, comme allant de soi, comme étant acquises. Et donc, derrière ces compétences, on voit le fait de soigner, le fait de se préoccuper des autres, toute la dimension relationnelle, qui généralement sont des attributs qu'on va coller à la féminité. Alors que tout ce travail d'aide et de soins fait appel à des vraies compétences, à des vraies connaissances, où il y a une technicité, où il y a des responsabilités, où il y a des charges physiques, il y a des charges nerveuses qui sont...
qui sont importantes et qui sont souvent, souvent invisibilisées du fait justement de cette naturalisation qui est faite de ces compétences. Et par rapport à cette invisibilisation, ce qui est assez frappant aussi, c'est que finalement, quand on demande à réfléchir au métier dit pénible, ben, l'image qui, sans doute, pour le quidam vient le plus spontanément à l'esprit, ça va être l'homme ouvrier dans une industrie lourde, mais rarement l'aide-soignante ou l'infirmière. Et donc là, il y a quand même évidemment quelque chose à se poser et de se dire que ben non, les qualités qui sont valorisées dans ces métiers ce ne sont pas seulement une extension du travail domestique. Alors, justement, par rapport au chiffre de la féminisation des métiers du care, il y a quand même, je voulais les remettre plus en évidence par rapport, en tout cas sur le territoire belge, on a 14,60% d'infirmiers pour 85,40% d'infirmières et seulement 9,20% d'aides-soignants pour 90,80% d'aides-soignantes. Alors, ça laisserait à penser qu'il y a une dévalorisation quasi systématique, ce qui ne me semble pas être toujours le cas. Et puis d'ailleurs, il faut aussi se dire que lorsqu'il y a une féminisation d'un secteur, c'est quand même le signe que les choses bougent. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc, il y a quand même déjà là une dynamique qui est intéressante et qu'il faut analyser. Lorsqu'une profession à dominante masculine se féminise, comme les filières scientifiques, techniques, la police et l'armée, il y a quand même un autre phénomène qui voit le jour, c'est le fait que cette mixité nouvelle va s'accompagner d'une recomposition, d'un redéploiement des différences sexuées et des inégalités. C'est là qu'on voit que les trajectoires professionnelles, les postes occupés ne vont pas être les mêmes. Alors, de nouveau, en Belgique, parmi les médecins notamment, je crois qu'on trouve, ça se repose sur des chiffres qui m'ont été communiqués, on trouve 51,65% d'hommes pour 48,35% de femmes. Donc on voit vraiment qu'il y a une féminisation importante qui va se poursuivre du fait du nombre d'étudiantes dans la filière de médecine. Mais par contre, on trouve toujours très peu de femmes qui vont accéder à des postes suprêmes, si je pourrais m'exprimer ainsi, de professeurs. Là, on n'en trouve que 12 à 16%. Et là, on voit que, bah, justement, dans ces postes de professeurs, dans le travail de publication, dans le fait d'obtenir des brevets, etc., les femmes demeurent moins présentes. Mais ce n'est pas pour autant que la profession est dévalorisée. Donc, il y a un petit peu à pondérer le fait que féminisation d'un secteur signifierait sa dévalorisation. Alors, je poursuis. Donc, toujours en parlant de la division sexuelle du travail, donc on a vu que les femmes étaient en première ligne de la crise, à la fois dans la sphère professionnelle en tant que soignante, mais aussi dans la sphère privée, à la maison, à travers le travail de soins non rémunérés. Là, je crois qu'il y a une chose qui, d'entrée de jeu, est importante à faire, c'est qu'il faut pouvoir étendre la notion de travail, parce que trop souvent, elle est réduite à peau de chagrin, à savoir à l'activité productive marchande et rémunérée, et ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est vraiment un des grands combats des mouvements féministes depuis plusieurs générations, c'est de la nécessité d'inclure le travail domestique qui est majoritairement réalisé par les femmes dans la sphère privée. Un chiffre très global, c'est d'estimer qu'elles sont plus ou moins responsables à 2/3 de ce travail. Et ce travail domestique, il est au cœur, donc, comme je viens de le dire, des réflexions féministes sur l'oppression des femmes. Il y a pas mal de théories qui ont résulté un peu de ces réflexions, notamment l'économie politique du patriarcat qui a été formulée par Christine Delphi, ou encore celle de la domination masculine, là qui est de Pierre Bourdieu. Et le travail domestique, il renvoie, pour le définir, il renvoie au travail qui est effectué, et chaque fois j'ai souligné les mots qui me semblent importants, le travail qui est effectué gratuitement pour autrui dans le cas du ménage et de la famille. Et donc j'insiste sur la notion de c'est un travail gratuit
qui n'est pas fait pour soi-même, mais pour les autres, et dans la famille qui est peut-être trop souvent romancée, idéalisée, comme étant où il y aurait une communauté d'intérêts. Mais souvent, dans les familles, on se rend compte qu'il y a, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a quand même très souvent une pluralité d'intérêts. Alors, ce travail domestique, il a très concrètement limité la capacité de participation des femmes au marché du travail, d'une part, et a créé de ce fait une certaine dépendance économique des femmes. Il faut penser en particulier aux femmes au foyer, aux femmes qui travaillent à temps partiel, aux femmes qui assistent un compagnon ou un mari qui serait indépendant. Et cette dépendance économique, elle apparaît avec une clarté évidente au moment des séparations, des divorces, où on voit alors une pauvreté des mères monoparentales qui explose et qui transparaît sans doute de façon plus claire et brutale. Et donc, d'où cette importance finalement de visibiliser ce travail domestique, de s'y intéresser, de l'englober et aussi de le mesurer afin que d'abord on puisse avoir un peu un diagnostic de la situation, de se dire, ben voilà, il y a un écart réel dans la répartition des rôles, dans la répartition des tâches domestiques, des tâches ménagères, afin de pouvoir justement essayer de faire évoluer les choses et d'obtenir un rapport de pouvoir qui soit plus favorable aux femmes. Alors là, je pense que Dorothée souhaitait peut-être à ce moment-ci, d'ailleurs je ne vais pas le montrer, faire un petit sondage. Dorothée, tu reprends la main ? Oui, on lance ça tout de suite. Parfait. Non, Nicolas. Voilà, on va lancer un sondage, ça arrive. Voilà. Allez-y, donc on vous pose trois questions. Vous êtes un peu plus de la moitié à avoir participé. On laisse encore quelques secondes pour les derniers, les dernières. Voilà, on va vous partager les résultats et les commentaires dans quelques secondes. Voilà, en principe, Aurélie, tu dois voir les résultats et si tu veux, tu peux commenter. Voilà. Et donc, en effet, sur le temps que les hommes consacrent aux tâches ménagères, le chiffre était... c'est le rouge qui est dominant, c'est ça ? Oui. Oui, donc en fait, c'est 13h36. Les hommes consacrent 13h36 aux tâches ménagères, tandis que les femmes...
en consacre 21h49. Moi, j'ai dans mon tableau, mais ça devrait être 21h39 ici. Donc, dans ce qu'on voit donc de manière assez claire, c'est que dans la gestion de l'emploi du temps, dans l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale, les femmes en font toujours plus et que les choses n'ont pas finalement tant évolué avec les jeunes générations. On se rend compte donc oui en 1999, et là je vais peut-être reprendre si c'est possible, comme ça on va l'afficher dans le tableau qui reprend toutes les données, si tu veux bien me remettre en partage d'écran, Nicolas. Alors vous voici. Donc, j'espère que vous le voyez. Et donc, ce tableau reprend en fait, bon, il s'arrête à 2013, ce sont curieusement les dernières données disponibles par les statistiques belges en tout cas. C'est que donc en 1999, les femmes accomplissaient. Pardon, excuse-moi. On ne voit pas ton tableau. Ah, alors attendez. Ton document, oui. Il faut que tu repasses par écran partagé. Oui, je m'excuse pour parfois mes petites défaillances techniques. Alors, si c'est possible de ne pas partager l'écran, mais de partager plutôt le document directement, parce que tout à l'heure, il y avait un petit. On avait tout l'écran, et donc ce n'est pas forcément super lisible pour tout le monde. Pour ce point comme ceci. Parfait. C'est mieux. Génial. Voilà. Donc, je reprends. Donc, vous avez trois colonnes de 1999, 2005 et 2013. Vous voyez que dans chacune de ces périodes, les femmes finalement accomplissent plus que les hommes, que l'évolution entre 1999 et 2013 finalement sur le total de travail ménager réalisé par les hommes il est en diminution. Il est aussi en diminution pour les femmes, mais il est également en diminution pour les hommes. Donc, ce qui transparaît de façon assez claire dans le tableau de gauche, c'est qu'en termes de tâches ménagères uniquement, en tout cas, il y a très peu d'évolution. Et donc ça, c'est ce qui transparaît de façon assez évidente. C'est moins évident concernant le travail de soins et l'éducation des enfants, où on voit justement dans le graphique de droite, donc à la troisième ligne, que je ne vais pas dire qu'il y a un équilibre, mais en tout cas qu'il y a une évolution de la part des hommes pour davantage prendre en charge. Mais il faut quand même mettre un bémol justement à ces données chiffrées qui sont très globales, c'est que ces chiffres masquent évidemment un certain nombre de disparités. Il ne faut pas oublier que certains ménages vont pouvoir, et d'ailleurs c'est la raison de cette diminution du temps de travail chez les hommes, c'est que certains ménages vont pouvoir déléguer une partie du travail domestique et du travail parental auprès de tiers rémunérés qui, là, sont en très grande majorité des femmes. Donc, on est très peu, finalement, dans un canevas où il y aurait une redistribution des rôles entre hommes et femmes, mais davantage dans une délégation du travail qui est généralement accompli par les femmes, ou un glissement vers d'autres femmes. Et donc, c'est souvent ce qui s'est passé avec le cas de l'émancipation par l'emploi d'un certain nombre de femmes, ici en Belgique par exemple, et donc où il y a eu cette délégation de travail. Je ne m'attarde pas plus parce que sinon on va être pris par le temps. Donc pendant la crise, les choses n'ont pas foncièrement changé, vous l'imaginez bien. Les femmes ont continué à assumer une grande partie des tâches ménagères, mais plus qu'à un autre moment, elles ont joué ce rôle qui est souvent le leur en période de crise, à savoir un rôle d'amortisseur par rapport à la crise, qui fait que leur charge de travail va être intensifiée, qu'elles vont démultiplier les tâches qui sont les leurs au quotidien. Et donc, il y a eu une mesure gouvernementale qui a évidemment fortement impacté le travail des femmes, ça a été la fermeture des crèches et des écoles, où avant la crise, les femmes étaient déjà fortement en charge du travail et du temps consacré aux soins aux enfants. Et cette part, elle a encore augmenté pendant la crise, et on a vu que les femmes, plus que les hommes, ont dû
abandonner leur travail si elles en avaient un, ou le faire passer en second plan, ou alors adopter pratiquer le télétravail dans de moins bonnes conditions si elles avaient la chance et le privilège de pouvoir télétravailler. Donc, ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas eu une tendance révolutionnaire pendant cette période de confinement qui aurait mieux redistribué les rôles entre hommes et femmes. Et en plus de cela, c'est que, et c'est pour ça que j'insiste avec les illustrations sur cette slide, c'est qu'à tout ce travail de soins, ben, il y a aussi eu la charge mentale et émotionnelle qui est évidemment très forte en cette période. Tout le travail relationnel de solidarité qui a pris énormément de place du fait que dans notre entourage, ben, vous comme moi, on a eu plus de personnes à risque autour de nous. Et donc, il y a eu ce besoin, cette nécessité de prendre des nouvelles, d'avoir des gestes solidaires, de préparer des repas, de que sais-je encore, de coudre des masques. Ce sont des gestes qu'on a beaucoup vus et qui souvent ont été accomplis par des femmes. Alors, que va-t-il se passer dans le post-Covid ? Je dirais qu'il y a moyen de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on veut être optimiste, on peut espérer des changements, on peut espérer une revalorisation des métiers du care, ainsi qu'une meilleure répartition des rôles entre hommes et femmes. C'est vrai qu'il y a eu pendant cette période une visibilité importante, je pense, de ces métiers. Et à partir du moment où l'aide est venue à manquer pour prévenir les hospitalisations et pour accompagner les personnes de retour à domicile, ben, ces métiers d'accompagnement, tout ça a eu de la visibilité. Et donc, on pourrait commencer, on pourrait appeler ça à construire un début de rapport de force qui pourrait un peu faire changer les choses, progressivement arriver à une certaine reconnaissance de ces métiers. Mais tout ça reste évidemment encore fort, fort hypothétique. Mais il y a eu quand même des indices intéressants dans cette période, et notamment des indices qui, à mon sens, était particulièrement bousculant, c'était que la boussole de la société, si on peut l'appeler ainsi, a pendant en tout cas un certain temps été celle de la vie humaine, celle du vivant, plus que celle du marché et du profit. Et ça pose quand même beaucoup de questions, parce que ça fait des décennies qu'on entend un peu le même discours sur le fait que les bienfaits des services publics doivent être remis en cause, que par toute une série de politiques qui sont très, très libérales. Et on a vu des services publics qui ont longtemps été dénigrés, reniés, au profit d'une activité privée à but lucratif qui était jugée plus efficace, plus efficiente. Et donc, ça, on sent qu'il y a une remise en cause d'un petit peu tout ça. Il y a une volonté de remettre en cause le fait que la santé, notamment, elle a été marchandisée, que l'offre de soins a été rationalisée, que les hôpitaux ont été considérés ces dernières années comme des vraies entreprises, obsédées par une rentabilité financière qui en devenait neutralisante. Donc, oui, il me semble quand même que pendant cette période, le secteur public notamment a retrouvé de la valeur et gagné en légitimité. Donc, il y aura peut-être quelque chose à faire en termes de redéfinition des rôles entre sphère privée et sphère publique dans la revalorisation des métiers et dans la répartition même des rôles entre hommes et femmes. Donc, on verra un peu dans les plans de relance si à côté de ces objectifs un peu plus socio-économiques, il y a aussi des objectifs qui prennent en compte justement ce vivant. Et quand je parle de vivant et en termes de vulnérabilité du vivant, je le vois au sens large, à la fois dans le domaine de la santé humaine, mais également en termes plus écologiques et en termes de préservation de nos environnements. Alors ça, c'est forcément, si on voit le verre à moitié rempli, j'ai envie d'être optimiste, mais il faut quand même être lucide. Il y a quand même pas mal de signes qui laissent à penser que les choses ne bougent pas aussi vite et aussi bien qu'on le voudrait. À titre plus personnel, il y a quand même une question moi, qui, du fait de mon ancrage un peu plus nord-sud, qui pose beaucoup d'interrogations, c'est la question des vaccins. Vaccins qui montrent qu'on reste un peu dans cette attitude du chacun pour soi, où quelques pays du Nord abritent la plupart des laboratoires, la plupart des centres de production, et que voilà, il y a quand même une sorte d'égoïsme nationaliste et commercial qui
pose question et qui est aux antipodes de ce que devrait, me semble-t-il, être un vaccin, à savoir un bien commun, un bien public mondial. Et donc là, c'est sûr qu'en voyant cet aspect-là, on se dit que le verre est plutôt à moitié plein. J'avance. Je voulais maintenant aborder avec vous la deuxième partie de cette intervention qui sera peut-être un peu plus courte, mais qui aura pour but de montrer que toutes les femmes n'ont pas vécu la crise de la même manière. Ça semble assez clair quand on dit comme ça, pas de la même manière, pas dans les mêmes conditions, et que le genre est à croiser avec d'autres rapports de domination. Alors peut-être avant de m'engager trop dans dans ce sujet, je propose à Dorothée peut-être pour lancer le deuxième petit sondage afin de ne pas donner trop d'infos dans mon intervention. Ça va, on fait ça tout de suite. Et donc, vous allez avoir dans quelques secondes un deuxième sondage à compléter. Voilà, en principe, vous avez ça sous les yeux. Vous pouvez y aller. Encore quelques secondes pour compléter, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire. Voilà, on va partager les résultats. Merci. Voilà, et donc vous êtes massivement plutôt d'accord avec cette proposition. Et effectivement, même si il n'y a pas beaucoup de chiffres qui soutiennent ça aujourd'hui, il y a quelques jours en France, il y a des chiffres qui sont sortis sur le fait que la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de la métropole, qui a un taux de concentration beaucoup plus élevé de décès par rapport à d'autres départements français. Des chiffres qu'on retrouve aussi aux États-Unis dans le suivi, dans l'analyse qui peut être faite de cette crise. Et ce n'est pas une analyse qui est très répandue, en fait, que de s'interroger sur les disparités dans le rapport à la pandémie. Et pourtant, sur le plan historique, c'est quelque chose d'avéré qu'une pandémie, une épidémie, ça ne touche pas tout le monde de la même manière. Que ça touche de manière inégale les membres d'une société. Et je vais te laisser continuer si tu veux bien, Aurélie. Oui, tout à fait. Donc, cette fois-ci, je remets mon partage d'écran. Ça doit être celui-ci. Ah non, voilà, celui-ci. Voilà, c'est chose faite, je pense. Donc, oui, en effet, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant de voir cette surmortalité finalement dans les zones, dans les quartiers les plus défavorisés socialement et avec une forte concentration de minorités ethniques. Donc, on en touchera un mot dans cette partie ici. Mais de façon générale, il est clair que la pandémie ne s'est pas déclinée de façon identique pour chacun et pour chacune. Il y a eu cette idée commune selon laquelle le coronavirus finalement aura affecté tout le monde, sans exception, sans différence. Et sans doute qu'on a voulu avoir, en disant cela, on a voulu obtenir l'adhésion de la population par rapport aux mesures de prévention, d'obtenir l'adhésion par rapport à ces gestes-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a été énoncé. Mais même si on est tous dans le même bateau du Covid, l'image s'arrête là. On n'est pas tous sur le même pont.
pourrait-on dire, et la crise actuelle, elle est un révélateur presque par l'absurde des inégalités qui structurent nos sociétés, qui structuraient déjà nos sociétés bien avant le début de la crise. Alors ces inégalités, elles touchent évidemment ce dont on parle aujourd'hui, les inégalités entre hommes et femmes, mais pas que. Et là, il est important d'y revenir pour élargir un peu notre angle d'approche. Et donc si on prend par exemple le cas de Bruxelles, là où je me situe, c'est une ville qui est très inégalitaire. Au baromètre social de mars 2019, une personne sur trois vivait sous le seuil de pauvreté. Alors, il faut bien se rendre compte que le blocage soudain du pays, l'arrêt de l'économie, elle a rendu la situation plus difficile encore, et les situations de précarité, elles se sont accentuées du fait des pertes de revenus, du fait du chômage partiel. Et il y a un chiffre assez inquiétant qui, d'après donc, le SPF Intégration Sociale, estime que le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration aurait augmenté de 10% en 2020. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent qui montre vraiment l'aspect critique de cette crise sur certains segments de la population. Et c'est là où je veux évidemment en arriver, c'est qu'il est nécessaire de porter une attention aux effets disproportionnés que la crise, que le Covid-19 a pu avoir sur certaines couches de la société. Il est important de pouvoir faire ces diagnostics, il est important de pouvoir les chiffrer, de pouvoir les nuancer, afin de pouvoir apporter des réponses qui soient correctes, qui soient adaptées, et qui surtout, qui ne laissent personne derrière. Donc, on a vu, enfin, dans la première partie de l'exposé, on a pas mal parlé des femmes en tant que premières de cordée, premières de corvée. Maintenant, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que les femmes ne constituent pas un groupe homogène, qui a, oui, des similarités entre toutes les femmes dans cette période de crise, mais aussi de profondes différences. Et à titre un peu de provocation, je mets un peu dans ce cadre rangé, les femmes qui ont télétravaillé ou qui ont vécu le confinement dans leur maison de campagne n'ont pas le même vécu que des femmes qui sont confinées dans les logements sociaux des quartiers populaires. Bon, ça semble un peu trash, évidemment, quand on le lit comme ça, mais c'est tellement vrai. Et donc, il faut pouvoir éclairer les angles morts. Et ces angles morts, ce sont les conditions d'existence, ce sont les préoccupations d'un grand nombre de femmes de s'attarder, de complexifier le propos pour réfléchir aussi à non seulement quelles sont les conditions d'existence, mais quelle est l'attention que la société porte à ces femmes. Et là, on le sait que déjà avant la crise, il y avait des différences de traitement dans l'accès aux soins de santé, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la justice, dans l'accès à l'emploi. Et ces inégalités n'ont pas disparu comme par un coup de baguette magique, quoi. Et donc, d'où l'importance, lorsqu'on parle de questions de genre, de ne pas faire fonctionner le genre en vase clos. Le genre doit pouvoir se croiser avec d'autres dimensions et se rappeler qu'il est à l'intersection d'autres rapports de pouvoir sur base sociale, sur base de l'appartenance à des minorités ethniques notamment. Et donc ça, c'est important. Donc pour le résumer, on pourrait dire que toutes les femmes ne sont pas également dominées. D'où vraiment cette importance de complexifier. Et donc ici, je me propose de faire ce petit, c'est pas un exercice, mais c'est de mettre le focus, de mettre le curseur sur une catégorie de femmes dont on parle finalement pas tellement, que ce soit dans les médias, mais aussi dans les études de sciences sociales. Alors il y a quelques réflexions qui ont déjà été posées, mais on aborde beaucoup les effets de la pandémie sur les femmes, mais finalement, on ne va pas plus loin, on ne creuse pas plus loin. Et ici, interrogeons-nous peut-être un petit peu sur comment les femmes des quartiers populaires ont vécu cet épisode pandémique. Alors, il me semble que la première question à se poser, c'est de dire qui sont les femmes qui habitent ces quartiers, quels sont un peu leur profil sociologique. Et là, il y a peut-être aussi des nuances à mettre. Il y a d'abord beaucoup de travailleuses et métiers essentiels, des métiers qui ont été en première ligne, des métiers du care, mais aussi tous ces métiers de contact, de prestation de soins. Et donc, ces personnes ont été obligées de travailler, ont été obligées donc de se déplacer, de se retrouver dans l'espace public, ne pas nécessairement pouvoir respecter toutes les distances.
Et dans ces quartiers, on trouve aussi, on a une surreprésentation de mères isolées, de sans-papiers, de sans-papières, et de primo-arrivantes qui, là aussi, se trouvent confrontées à des difficultés supplémentaires. Si on prend les primo-arrivantes, on peut estimer qu'il y a la barrière de la langue, le fait que l'éducation des enfants se fait dans une langue qui n'est pas la leur, etc. etc. Alors, ces femmes des quartiers populaires, elles ont été confrontées, elles ont dû faire face à toute une série de problèmes. Elles ont dû faire face à des inégalités sociales de santé, notamment. Hein, je veux dire, on a abordé cette question-là dans le petit sondage. Mais donc, de nouveau, répéter que cette illusion, cette idée d'égalité devant l'épidémie, c'est vraiment une illusion, elle est fausse. Et que ce sont les populations le plus socialement marginalisées, défavorisées, qui ont souffert davantage de cette crise. Outre le cas de la Seine-Saint-Denis, du département de Seine-Saint-Denis, il y avait quand même aussi un chiffre qui était effrayant aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé de chiffre très précis pour la Belgique, mais aux États-Unis, dans des États comme la Louisiane, les Afro-Américains représentent un tiers des résidents, mais ils ont compté pour deux tiers des décès, ce qui montre quand même évidemment l'impact sur certaines couches sociales de la population. Alors, ces femmes, il y a aussi une question qui me semble importante, c'est la question de la représentation qu'on a pu avoir de cette femme. Il y a vraiment eu parfois des différences de traitement qui étaient assez problématiques. C'est que d'un côté, ces travailleuses habitantes des quartiers ont été décrites, en particulier dans les médias, comme des héroïnes, bravant fièrement le Covid pour sauver la nation en guerre, quoi. Mais d'un autre côté, une fois que ces femmes se déplaçaient dans l'espace public, parfois pour rejoindre même leur travail, elles ont été très souvent stigmatisées à partir du moment où elles n'étaient pas au travail, hein, mais donc seulement en déplaçant. Et c'est comme si ces femmes n'avaient pas à être là. Et donc là, il y a quelque chose qui est problématique, d'autant que, et là ça ne vaut pas que pour les femmes, les personnes des quartiers populaires, elles ont fait aussi l'objet évidemment de pas mal de contrôles. Elles ont été plus verbalisées et ont fait l'objet de ce qu'on pourrait appeler d'une répression spécifique. Ça a été clairement formulé par le gouvernement Macron, qui a dit qu'il faisait plus de contrôles dans les banlieues. En Belgique, ça n'a pas été formulé comme tel, mais dans les faits, on a pu voir qu'il y avait une sorte de police sanitaire dans les milieux populaires, avec un fonctionnement de drones, de contrôle au faciès, des violences à répétition, qui montrent quand même cette problématique et aussi cette tension qu'il y a à la fois entre une image qui se veut valorisante et le jour d'après qui est terriblement stigmatisante. Pardon Aurélie, je me permets juste de signaler le temps. Si on veut avoir un petit peu de temps pour les questions, ce serait bien de clôturer, d'accélérer très fortement. Oui, tout est possible. Alors, désolée, c'est vrai qu'on s'emporte, mais il y a pas mal de choses à dire. Mais bref, ces femmes ont dû faire face à toute une série de difficultés supplémentaires. Alors, relevons rapidement les conditions matérielles d'existence. C'est clair que quand on n'a pas tous le même logement. Est-ce que les personnes avaient un logement salubre? Est-ce qu'elles avaient un logement suffisant qui leur permettait d'isoler un malade, si positif, si contact, etc. Toutes les personnes n'ont pas le même revenu, ça on l'a vu. Est-ce que ces revenus permettaient, suffisaient à couvrir les dépenses de loyer, de nourriture, de santé? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui tombe à la trappe? C'est souvent ces dépenses de santé. Et puis il y a d'autres facteurs aussi comme la situation familiale, le fait d'avoir une famille nombreuse ou non, le fait d'avoir des enfants en bas âge ou pas, le fait d'être une famille monoparentale, tout ça joue sur la manière dont on ressent et dont on vit cet épisode. Inégalité également dans l'éducation, où on a vu que là le suivi pédagogique des enfants était fortement complexifié et compliqué dès lors qu'il y avait des difficultés scolaires préexistantes, dès lors que les familles étaient où les mères se retrouvaient seules, de nouveau avec l'âge et le nombre des enfants, si on exerçait une activité salariée. Pour rappel, les femmes des quartiers populaires travaillant souvent dans les métiers du care ou dans les métiers de contact n'étaient pas toujours présentes pour leurs enfants, des enfants qui doivent s'autogérer ou de trouver
des débrouilles qui permettent de les occuper. Et puis, la promiscuité des lieux et l'électronisme, donc l'accès justement à tous ces instruments informatiques qui ont pris une importance considérable pendant la période de confinement et de la fermeture des écoles. Alors, c'est des spécificités qui sont propres justement à ces femmes des quartiers populaires, mais là comme ailleurs, il y a des dénominateurs communs avec toutes les femmes, et on voit qu'elles ont dû prendre en charge là aussi la santé de la famille, la hausse du travail domestique. Ça a généré une dose de stress et de fatigue supplémentaire. Et puis, n'oublions pas, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais le confinement a été un moment de forte violence, d'une violence accrue dans les espaces domestiques où la cohabitation forcée a pu générer tout un cycle de violence. Dernière chose, peut-être une petite interrogation par rapport à la question de la solidarité qui a fortement été mise en avant par les médias. Quand on parlait des quartiers populaires, est-ce que de nouveau, pour les valoriser, il y avait, et à la fois c'est quelque chose de très bien parce que parfois on a une vision très misérabiliste, et donc là il y avait une mise en avant justement de ces gestes de solidarité, de cette débrouille, des réseaux d'entraide qui existaient dans une période de confinement où les services sociaux, les grosses structures étaient fermées. Donc on a vu toutes ces initiatives très présentes. Je le redis, c'est positif, mais par ailleurs, ça a peut-être tendance à occulter le sort de pas mal de femmes, me semble-t-il, et là peut-être que ce serait intéressant d'avoir vos avis, sur le fait que, les quelques écrits que j'ai pu lire, c'est que aussi beaucoup de femmes des classes populaires ne sont pas sorties, qu'elles ont connu une expérience d'isolement extrême qui tranche tout à fait avec le lien social qu'elles connaissent d'ordinaire dans ces quartiers, et que ça a eu d'importantes conséquences sociale, scolaire, psychique, à la fois sur les femmes et sur les familles. Donc ça, c'était le petit point que je voulais faire par rapport à ça. Et donc, pour dire un mot de fin tout de même, oui, le coronavirus nous a tous et toutes affectés d'une certaine manière, mais avec des différences d'impact qui sont abyssaux. Et donc face à des expériences qui sont parfois terriblement différentes, ce qui est frappant, c'est la similitude dans les réponses qui sont prônées par nos politiques. Il y a vraiment les invariants dans la réponse des politiques, à savoir confinement, distanciation sociale et gestes barrières. Et donc ça, c'est valable pour la Belgique et c'est valable aux quatre coins du monde. Je pourrais vous donner des tas d'exemples, mais on ne va pas trop s'y attarder. Et donc il y a vraiment eu cette frontière entre ceux qui ont été finalement les plus privilégiés dans cette crise, qui ont pu finalement mettre l'essentiel de leurs efforts dans le fait de ne pas contracter la maladie en restant confinés, en télétravaillant, malgré toutes les difficultés qui sont liées à cela, mais ont pu conserver aussi une partie de leur salaire, et les moins privilégiés qui s'inquiètent avant tout des moyens matériels finalement qui leur permettront de boucler la fin de mois. Et donc ça, c'est très différent, et on trouve dans ces personnes-là pas mal de travailleuses pauvres, féminines et racisées. Voilà, toutes les femmes ont joué un rôle d'amortisseur par rapport à la crise, mais il y a quand même des différences très importantes qu'il faut garder à l'esprit. Je m'arrête. Merci beaucoup Aurélie. Donc c'est maintenant le moment de rédiger vos questions si vous en avez donc dans l'outil, dans l'onglet questions-réponses que vous avez au bas de votre écran. Nous en avons déjà 4. Et donc, je propose qu'on commence. Et donc, je te lis la question, Aurélie. Hein. Mm-hmm. Des sans-papiers, souvent des femmes infirmières, proposaient leur aide qui a été refusée au moment de la première vague pour des raisons juridiques. Qu'en pensez-vous ? Waouh ! J'ai du mal franchement à répondre à cette question sur le plan parce que je ne sais pas en fait quels ont été les obstacles sur le plan juridique, étant donné que c'est pas tout à fait ma sphère d'intervention. Je suis un petit peu en difficulté pour répondre par rapport à ça. Maintenant, ça me permet peut-être d'un tout petit peu dévier par rapport au fait que moi, ce qui m'a peut-être plus frappé là, plus dans la lecture de la presse, c'était qu'il y a eu énormément d'appels à bénévolat dans les hôpitaux. Pour finalement pallier le manque d'infirmières, le manque d'aide dans les hôpitaux. Et là, c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui
au-delà du geste de solidarité qui est intéressant, évidemment, mais de se dire une nouvelle fois, finalement, ce travail de soin doit se faire gratuitement, spontanément, sans même qu'il y ait des qualifications précises qui, semble-t-il, doivent être demandées. Et donc là, il y avait quelque chose d'assez choquant, et je pense que ça a été repris par plusieurs plateformes qui travaillent sur la question de la santé, de se dire, mais on en est vraiment là. Même dans la deuxième vague, il me semble qu'il y a encore eu ces appels, et donc ça posait quand même beaucoup de questions finalement sur le désinvestissement du domaine de la santé. Merci. Nous avons une deuxième question qui est la suivante. Quid de la parité dans les groupes d'experts fédéraux ? Oui, c'est forcément. Il suffit de les prendre en photo pour se rendre compte que massivement, le domaine de l'expertise, de la prise de décision, de la responsabilité, les plateaux de télévision étaient majoritairement occupés par des hommes. C'est pas étonnant. C'était comme ça avant la crise. Ça n'allait pas changer pendant la crise. Alors, heureusement, certaines personnes s'en indignent, mais ça reste quand même. Peu. Et il y a toujours cette on va chercher l'expertise là où elle se trouve, mais chercher mieux, il y a. Donc voilà. Merci. Alors je continue. Dans la question du partage des tâches ménagères et domestiques, la dimension culturelle n'intervient-elle pas également dans la répartition entre femmes et hommes ? Alors, les chiffres qu'on a donnés, ils sont globaux, donc on n'a pas une analyse ultra fine. La dimension culturaliste, je dis attention, évidemment, je crois qu'il faut, ne pas croire que les choses se passent radicalement différemment dans d'autres quartiers, lorsqu'on on a d'autres origines, d'autres, une autre éducation, d'autres trajectoires. Donc, j'ai aucun chiffre qui me permettrait de documenter ça, mais j'apporte juste un point d'attention sur le fait que regardons déjà ce qui se passe ici en Belgique, et on se rend bien compte que, en tout cas, dans notre société, les chiffres sont pas très encourageants, quoi, et que donc il y a encore quand même un gros travail à faire. Ça ne reste pas un combat secondaire. Et je me permets de compléter un tout petit peu par rapport à ça. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est dans les foyers où les personnes sont, si les personnes sont au travail ou sont à la recherche d'un emploi, ou encore si elles sont pensionnées, parce que les statistiques sont là aussi intéressantes sur le fait que il n'y a pas forcément une meilleure répartition quand il n'y a pas un temps consacré à l'emploi, par exemple. Mais ça, on peut vous fournir des ressources si vous avez envie de regarder des tableaux sur ces questions-là. Ah oui, tu as tout à fait raison, Dorothée. Moi, j'avais trouvé c'est Florence Degave qui est vraiment une personne ressource importante sur la question de l'économie du care, qui avait dit au moment de la crise, et je reprends ces chiffres, qui avait établi une sorte... en demandant est-ce que le confinement, le fait d'être plus à la maison, va-t-il changer quelque chose dans la répartition des rôles ? Et il avait répondu, on pourrait peut-être faire un parallèle avec le temps que hommes et femmes consacrent aux enfants lorsqu'ils sont au chômage. Et au niveau de l'OCDE, clairement, on voyait que pour les hommes, ça ne changeait pas grand-chose. En gros, ils passaient de 40 minutes par jour à 50 minutes par jour dans le soin aux enfants. Tandis que les femmes, le temps doublait carrément. On passait de 74 minutes à 144 minutes. Donc, ça lui laissait entrevoir le fait que c'était pas révolutionnaire comme changement. Alors, je vais passer peut-être la parole à ma collègue qui a peut-être des questions au niveau du chat. Je n'entends pas. Comme ça. Ça va mieux ? Ah oui, parfait. Il y avait un petit bouton sur le fil du casque. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat, mais c'est justement pour encourager les participantes et les participants à réagir. Et donc, moi, je peux me faire la voix aussi de ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, rapidement, parce que j'ai vu une intervention sur le fait d'éveiller les enfants à la dimension du genre. Moi, je viens du secteur aussi du planning familial. Avant, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement difficile que de modifier la formation des instituteurs, des institutrices à l'école normale. Et donc,
Cette question-là me plaît parce que je pense vraiment que l'éducation est vraiment une clé pour ces questions-là. Mais donc, c'est extrêmement compliqué, je trouve, pour avoir déjà participé à des projets qui essayaient de le faire, d'agir là-dessus. Voilà, je voulais juste... Oui, et ça me permet de rebondir. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Enfin, je pense l'avoir bien compris lors de la première intervention de Valérie Piette, qui disait que dans le cursus des médecins, il n'y avait pas finalement une formation, un cours, quel qu'il soit, sur justement cette approche genre, qui dans ce domaine me semble évidemment plus que nécessaire du fait des différences de rôle, de toute une série de facteurs. Et donc ça, j'avoue que je m'étais dit, je vais aller chercher la confirmation pour être bien sûr que j'ai bien entendu. Mais ça permet de faire rebondir aussi sur le fait de l'enseignement, qu'en effet, c'est trop souvent... Ça dépend finalement du professeur, de l'enseignant ou de l'enseignante, finalement, de sensibiliser à cette question plus que du PO ou de la direction. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dommage, que ça n'en soit pas un projet d'école ou en effet qui serait initié dès la formation des enseignants et des enseignantes. Donc, juste pour apporter une précision, en tout cas, concernant certaines études supérieures, il y a un projet de l'ARES qui est en cours dans ce sens-là, sur la thématique, justement, notamment des violences faites aux femmes. Donc, c'est intégré, mais c'est un long processus aussi. Donc, c'est en train d'être travaillé, mais effectivement, c'est indispensable. Tant fil, je vais rapidement lire les questions que nous avons encore. Donc, quelles sont vos revendications pour la bonne prise en compte de ces intersections entre le genre et la race au niveau des politiques publiques? Faut-il mettre en place des statistiques ventilées selon l'origine ethnique pour pouvoir réellement apporter des solutions spécifiques et éclairées? Alors, je vais lire les trois dernières, comme ça. Et donc, c'est une autre personne nous dit, sans remettre en question tous les tableaux présentés, il y avait aussi parmi les travailleurs de première ligne des éboueurs. Et enfin, cette pandémie a mis en évidence la violence institutionnelle envers les femmes migrantes. Voilà, comme ça, j'ai lu les dernières interventions. OK. Par rapport à la première question, oui, je pense qu'il est nécessaire, en effet, d'avoir des statistiques ventilées. Ça me semble absolument pas choquant. Ça se fait dans plein de pays. C'est ce qui permettrait d'avoir un peu une vision claire, un diagnostic, une photographie précise, qui évidemment est dynamique. Hein, donc, il ne faudrait pas la faire une fois tous les 10 ans. Mais oui, je pense que sans ça, on n'a pas de baseline, on ne sait pas vers quoi on va. Et donc, je pense que c'est en tout cas un premier pas. Il faut une meilleure compréhension. Là, je pense qu'au niveau des politiques publiques, il y a une tendance qui va en tout cas à s'intéresser. Enfin, au-delà de s'intéresser des discours, il y a vraiment une... Ils cherchent à s'approprier un petit peu ces questions, mais alors on sait qu'il y a pas mal de... Comment dire, c'est un outil qui n'est pas facile à manier, pas facile à mettre en œuvre, et donc il y a en gros beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Donc je crois que il faut que ces politiques publiques, enfin ces acteurs des politiques publiques se fassent aider par des associations, par des chercheurs qui sont très compétents en la matière et qui pourraient les alimenter. Donc là, ça pourrait déjà être une chose intéressante en termes d'avoir des données, des statistiques. Par rapport à la question des travailleurs de première ligne et des éboueurs, tout à fait. Et là, pour raccrocher ça à quelque chose qui a été dit dans l'intervention, c'est par rapport à la question des représentations. Là aussi, il y a une représentation qui a été hyper valorisée pendant le confinement, où on a vu apparaître sur des sacs poubelles des petits mots comme merci, etc. Alors que qui, avant le confinement, aurait écrit ça? Et donc, il y a à la fois ce dénigrement par rapport à ces professions en temps d'ordinaire et cette survalorisation pendant cette période très courte qu'a été cet épisode de pandémie. Et la violence institutionnelle envers les femmes migrantes. Oui, alors là, il y a certainement des personnes qui travaillent directement avec des femmes migrantes qui seraient bien plus à même que moi de répondre par rapport à détailler justement tout ce cursus de violence institutionnelle. Mais c'est clair et c'est évident, et il y a des tas de choses qui n'ont pas été faites. Je vous renvoie notamment par rapport à ce qu'en dit Didier Fassin. Bon, voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi ici en Belgique, mais quelques articles de lui sont assez éclairants, et donc je vous renvoie vers lui notamment.
Voilà, ça nous laisse peut-être quelques minutes, Dorothée. Oui, peut-être, peut-être quelques minutes pour terminer ensemble. Mais d'abord, merci Aurélie pour cette présentation. Je voudrais aussi remercier les participants, hein, pour les questions et pour l'écoute attentive, même si on ne vous voit pas. Alors, je remercie aussi mes collègues qui ont soutenu à la technique, à l'administratif, à la mise en image et à l'animation. Et qui soutiennent tout le travail qu'on commence à mener autour du genre à la Fédération. Et vous inviter aussi à la prochaine conférence qui aura donc lieu le 22 avril. Et à cette conférence, c'est Madame Ilana Lowy, qui est historienne de la médecine et des sciences. Elle travaille à l'INSERM et aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle sera avec nous et j'en suis assez contente. Et elle proposera surtout de s'intéresser à comment, dans la médecine et dans les sciences médicales, finalement, on a un rôle de norme et d'instaurer quelque chose qu'on nous explique être de l'ordre du naturel entre le féminin et le masculin. Elle reviendra sur quelques éléments historiques autour de ça et elle concentrera surtout en principe son propos autour de l'utilisation des hormones sexuelles, alors qu'elle appelle le sexe en flacon dans la construction des identités sexuelles. Alors, ces enjeux, comme ceux qu'on a évoqués aujourd'hui, ils ont des conséquences très concrètes sur nos vies, comme patients ou comme travailleurs sociaux ou comme soignants. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence. Et je vous invite aussi à participer à un dernier petit sondage que mon collègue va lancer à l'instant. Voilà, on va vous poser deux questions. On va vous demander s'il y a un chiffre ou une statistique ou quelque chose évoqué aujourd'hui qui vous a particulièrement marqué, peut-être de réfléchir à ça. Et puis, une deuxième question autour de qu'est-ce que vous allez faire de ce qu'on a partagé aujourd'hui ensuite, si vous avez déjà des idées. Merci de compléter. Voilà encore quelques secondes pour compléter. Et on va bientôt partager les résultats. Alors, vous êtes un tiers à repartir avec la question de la répartition inégale du travail domestique. On espère que ça aura des effets dès aujourd'hui chez vous. Mais aussi bien marqué par les chiffres autour de l'inégalité par rapport à la mortalité. Et alors, par rapport à ce que vous allez faire dans la suite de la journée. Ah, on a déjà une partie importante des gens qui vont s'inscrire à la prochaine conférence. C'est chouette. On sera content de vous retrouver. Et puis, vous allez trouver des ressources. On va partager aussi l'enregistrement de cette conférence et vous retrouverez des ressources. On partagera aussi notamment la présentation PowerPoint. Et n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez envie d'avoir davantage d'informations. Je vous remercie chacun, chacune, et je vous souhaite une bonne suite de journée, un bon après-midi. Et on a terminé dans les temps, il est 14h.
À bientôt. Dorothée. Je suis toujours là. Oui. Je me demandais si j'étais toute seule.